Hello, hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi 3, 4, lundi 4 mars. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Je viens vous faire un petit point très 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 rapide pour cette ouverture de vlog. Tout simplement parce que j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il est 6h moins 20, donc je me suis fait mon petit goûter et je vais donc vous faire un petit point. J'étais en pleine lecture lecture audio de Inheritance Games. Donc je vous donnerai mon avis final dans ce vlog très certainement. Je suis proche de la fin. Donc voilà, je ne vais pas vous en reparler maintenant. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et ma lecture en cours. Donc je vous laissais dans le vlog précédent avec cette lecture. L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Avec un avis plutôt mitigé. J'ai continué un petit peu hier. Donc il me reste, je suis vraiment sur la fin. Je suis page 239 sur 326. Donc il me reste oui, une centaine de pages, quoi, un peu moins de 100 pages. Et je reste sur le même avis. Je suis très 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 mitigée. Voilà, on va suivre ces trois personnages pour vous remettre un petit peu dans le contexte. On va suivre trois personnages. On va suivre Emma qui est experte dans l'art, experte en art, pardon, et elle doit procéder à un inventaire des biens d'une famille qui est une grande fortune en Suède. Donc ça peut faire un coup de pouce à sa carrière. Mais il s'avère que le lieu, le manoir dans lequel elle doit faire son travail est lié à son passé, on va dire. Et à côté, on va suivre Karl qui est un inspecteur de police ou un je ne sais pas quoi, on n'en parle même pas dans le résumé derrière. Et on va suivre Karl qui lui a enquêté il y a 9 ans sur un décès qui est survenu à côté du manoir. On a retrouvé une jeune fille pendue. Une enfant ou une jeune fille? J'ai un doute. Et 9 ans plus tard, il n'a toujours pas résolu le mystère et il s'avère qu'on retrouve un corps congelé non loin du manoir, encore une fois. Donc une enquête est ouverte. Et voilà, et à côté, on suit une autre dame, Victoria, qui serait une domestique du manoir, hein, Gooseman, là. Et puis voilà, il se passe pas énormément de choses. Je suis plutôt déçue parce que j'en attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, pas comparé, mais par rapport aux avis. Même pas que j'ai pu lire, c'était juste des avis que j'ai entendus par-ci, par-là. Ouais, franchement, quand je vois qu'à la page 240. Je suis toujours pas complètement convaincue. Là, ok, il y a un rebondissement. Là, il y a eu un rebondissement dans les pages précédentes. Pour moi, il est un peu incohérent pour le coup. Mais bon, je pense que je suis vraiment pas dans l'histoire. Donc, voilà, je vais le terminer tranquillement ce soir ou demain. Et passer à autre chose. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. On peut partager un petit peu. Peut-être que vous me ferez voir le livre d'une autre façon. Mais voilà, absolument pas convaincue, c'est mon premier roman de cette autrice. J'hésitais entre. Faut que j'arrête de dire eux tout le temps. J'hésitais entre acheter celui-ci ou acheter son autre roman, La Folie.
Et je sais pas si je vais en acheter un autre ou pas. Son premier roman, c'était La Folie, a priori. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire ou l'emprunter à la médiathèque. J'en discutais avec une abonnée sur Instagram hier. Donc voilà pour mon avis lecture. Enfin, je vous donnerai mon avis final plus tard dans ce vlog. Et je vous montrerai également ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore ce que c'est dans ma pile à lire de mars. Donc voilà. Niveau film, hier j'ai regardé on a regardé un petit film. On a regardé Code 8, partie 2. Alors c'est un espèce de thriller fantastique, une espèce de drogue qui donne des pouvoirs, mais que le gouvernement, la police essaie de contrôler. Donc on avait regardé la partie 1 et puis on a vu partie 2, on s'est dit bon allez, on regarde sans regarder entre guillemets. Finalement moi j'ai bien regardé et c'était sympa, c'était sympa. Niveau série, point série, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je regarde toujours la série d'ado qui ment. Voilà, une histoire de... Ah oui, c'est vrai, ils sont hors de colle. Ils sont un peu moins d'une dizaine et il y en a un qui décède. On aurait mis quelque chose dans son verre, mais c'est personne et tout le monde. Donc il y en a forcément un qui ment, ou deux, ou trois, je ne sais pas. Donc je suis là-dedans, mais j'avance vraiment très très lentement, on va dire. Et à côté, j'ai commencé aussi ce week-end une série. Je vous avais parlé de la série Intimidation que j'avais regardée tirée des romans d'Harlan Coben. Que moi, personnellement, je ne suis pas méga fan de son écriture. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et c'est un peu comme Douglas Kennedy, je crois. J'arrive pas trop à m'accrocher à ses histoires. Mais les séries, ça le fait clairement. Donc Intimidation, j'avais adoré. C'est des mini-séries de 8 épisodes, je crois. 8 épisodes. Et j'avais adoré la saison Intimidation. La série Intimidation. Et là, c'est une autre série qui s'appelle Double Piège. Et j'ai regardé 3-4 épisodes. Et franchement, c'est pareil. Je suis bien. Un peu moins quand même. Un peu moins. Je trouve qu'il y a certains trucs. Je me dis, mais il y a quand même pas mal d'incohérences. Est-ce que c'est fidèle au roman? Je ne sais pas. Je pense pas que j'irai vérifier. Mais bon, c'est sympa. Il y a du suspense, c'est stressant. Les acteurs sont bien. Après, voilà, l'actrice principale, il y a beaucoup d'incohérences entre sa vie, entre ce qu'elle dit, entre ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, ça se regarde bien. Donc voilà pour mon petit point. Donc je vais vous laisser ici. Parce que mon chocolat chaud refroidit. Et j'ai pas envie de boire un chocolat froid. Et ben je vous tiens au courant de la suite, comme d'habitude. Alors, on est aujourd'hui mardi soir. Enfin, fin de journée. Et il y a eu un beau soleil aujourd'hui. Ça fait trop du bien. Je me suis arrêtée à la pharmacie acheter de la vitamine. C'est la première fois que je fais ça. Bref, je viens vous dire que je viens de terminer à l'instant pile poil ma lecture audio de Inheritance Games tome 1 et j'ai vraiment bien 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 aimé ce premier tome. Ça fait maintenant un moment que je vous en parle parce que je l'ai commencé à l'écouter le 21 février, donc ça fait 15 jours. Ce qui me paraît plutôt pas mal parce que le roman est assez gros hein, sur Livre Addict, il fait 450 pages je crois. Donc voilà, c'était bien sympa. Et je vais donc poursuivre demain avec le tome 2. Je fais rarement ça, mais là pour le coup, je suis bien dans l'histoire. J'aime bien la lectrice, enfin celle qui lit, la demoiselle, la dame, je ne sais pas qui c'est. Et du coup, pendant que je suis dedans, je me dis, allez, zou, c'est parti. Donc, voilà pour mes lectures audio pour l'instant. Et lecture papier, j'ai donc enfin terminé cette chose, ce roman. Je reste sur un avis très très mitigé. La fin n'a pas du tout remonté. Mon avis vers le haut, hein, loin de là. Vraiment, vraiment, je sais pas. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'ai pas du tout été emportée par cette histoire. Et ouais, la fin
non, 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 non. Donc, je suis très, très curieuse d'avoir vos avis si vous l'avez lu ou si vous souhaitez lire, je ne sais pas. Ouais, je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment à autre chose. Et je pense que ça a joué aussi sur tout ça. Bref, voilà, c'est lui, j'ai découvert cette autrice. Et voilà, hein. Je commence le mars au féminin sur les chapeaux de roue, on va dire. Lecture suivante, c'est une lecture que j'ai oublié de vous mettre dans ma pile à lire. Alors j'y avais pensé, mais en faisant la pile à lire de mars, je l'ai complètement zappée parce qu'elle est sur liseuse. Et que du coup, j'étais à fond sur le format papier, 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 papier. Donc j'ai oublié ma petite lecture de chez Plume de Marmotte. Donc c'est un partenariat que j'ai cette année avec donc la maison d'édition Plume de Marmotte. Et nous avons un roman fantasy fantastique pour ce mois-ci à lire. C'est La Terre des Oubliés, le tome 1 pour le meilleur de Manon Giroux. Ginou, pardon, Giroux. Manon Ginou. Donc voilà, ça sera ma lecture pour l'instant. J'avais envie en plus de fantasy fantastique. Donc ça tombe très très bien. Quand je l'ai vu et que j'avais mis sur mon agenda la date de sortie, qui est le 18 mars, je voulais attendre un petit peu, mais il fait 424 pages sur la liseuse. Donc ça doit être un assez gros pavé en format papier. Donc je me suis dit, je vais le commencer maintenant, comme ça je suis sûre de le lire. Et je suis page 12 pour l'instant, donc autant vous dire que je ne peux pas trop vous en parler, j'ai 2% de lu. Non, pas 2%, ça a dû mettre... Je suis toujours aussi douée. Allez Michel. Ah ben si, ça m'a remis page 12. Bon bah ok, je n'ai rien dit, j'ai bien lu 2%. Bon, je l'ai commencé vraiment... Hier, j'ai terminé l'île de Yule. J'ai aussi continué cette lecture-là que j'ai quasiment terminée. Je pense peut-être la terminer ce soir. Parce que voilà, faut que il me reste ça à lire. Concrètement, c'est ma lecture que je m'étais mise au mois de février. Je l'ai un petit peu laissée de côté. Et là, ouais, j'ai bien avancé hier quand même. Enfin, je l'ai bien avancé sur le mois, hein, sachant que c'est pas du tout le genre de lecture que je lis. Et effectivement, je pense que je ne suis pas du tout la cible pour cette lecture. C'est très sympa, c'est très riche, beaucoup d'explications. Mais voilà, il faut s'intéresser quand même à la vente de luxe ou à la vente en général. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus léger et beaucoup plus drôle, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais vu dans le résumé. Pour l'instant, il n'y a aucun récit hilarant, comme elle le dit au début. Peut-être tout simplement parce que je ne suis pas dans ce monde-là, loin de là. Donc voilà, je pense pas être la cible, mais j'aime beaucoup quand même comment c'est fait, la mise en page, comment c'est formulé, c'est très très bien fait. Franchement, c'est riche en explications c'est un très beau livre. Voilà, je reste là-dessus parce que franchement, c'est super super bien fait et c'est un très beau livre. Donc voilà, je vais quand même le terminer. Il me reste 4-5 chapitres à lire. Donc je pense le terminer ce soir et faire mon post dessus. Voilà, clairement pas la cible. Mais un très bel objet livre quand même. Donc voilà. Donc j'ai voulu le résumé de La Terre des Oubliés. J'ai fait une petite parenthèse avec Camille Calvé. Constance Calvé, je confonds avec une autre autrice. Alors, donc La Terre des Oubliés, tome 1 pour le meilleur. À la suite d'un trop-plein d'émotions qui a causé la perte de ses pouvoirs, Elizabeth Parker a tout quitté. La Terre des Oubliés, son frère, ses amis, ses repères, lui. Cette année sont passées longues, éprouvantes, glaçantes. Elizabeth a réappris à vivre sur la planète Terre, loin du monde magique et des gens qu'elle aime. Jusqu'au jour où Vincent Flame, un localisateur de sa planète originelle, fait irruption à son domicile pour lui faire part d'inquiétantes nouvelles, pardon. Une menace plane sur la Terre des Oubliés et son frère a besoin d'elle. Désolée, je galère parce que c'est écrit tout petit. Voilà, il y a trois pages. Ah là, c'est une ligne par page en fait.
Elisabeth sera-t-elle capable de mettre ses différends de côté et d'affronter un passé qu'elle essaie tant bien que mal d'oublier? À partir de 13 ans. Ah oui, d'accord. Bon, moi, j'en suis vraiment, comme je vous disais, au tout début. Et je suis dans une école de magie. Et j'ai fait, ouais, chouette, pile poil, vraiment. Enfin, c'est pas spécialement ce que je voulais, mais c'est ce que je voulais. En fait, dans ma tête, j'avais, je pense pas du tout à de la magie. Mais justement, je disais, oh, ça fait longtemps que j'ai pas mis de SF dans ma pile à lire. Sauf que tout ce que j'ai en SF, c'est des hommes. Alors, ok, je m'en fiche un petit peu de qu'il y ait des hommes, mais je me suis dit, bon, je fais quand même l'effort de lire que des autrices. Mais voilà, dans ma pile à lire principale, je vais mettre que des autrices. Si jamais dans le mois, je lirai un auteur, c'est pas très grave. Mais dans ce que j'avais, je n'avais pas spécialement envie de les lire tout de suite. Enfin, je sais pas, ils m'ont pas attiré. Et quand j'ai vu celui-là qui parle de magie, j'ai fait, ah, mais c'est cool, c'est parfaitement ce que je voulais. Donc voilà, je suis ravie de commencer cette lecture. Et voilà, donc je vais la continuer tranquillement. Là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai déjà pris mon thé, mon goûter, en terminant d'écouter Inheritance Games, tome 1. Donc là, j'hésite entre mettre un live Twitch ou regarder le dernier épisode de la saison 1 de Qui ment sur Netflix. Donc voilà, voilà mon gros dilemme du jour. Je vais peut-être allumer la lumière accessoirement aussi parce que je suis un petit peu dans le noir. Donc voilà, je vous ai tenu au courant de mon petit point lecture. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je reviendrai plus tard pour vous raconter tout ce qui se passe, hein, voilà, tout simplement. Donc je vous dis à plus tard. Fin de journée, j'ai allumé les lumières parce que c'est plutôt sombre. Pourtant, on avait un beau soleil, mais ça caille. J'ai fait une mini promenade parce que je suis un petit peu à bout de force. Et là, je suis cette semaine dans mon service habituel au travail, mais je ne fais pas le même travail que d'habitude. Je ne travaille pas pour les magasins, mais pour un client, un autre client. Et c'est pas du tout le même travail et c'est beaucoup plus fatigant. Déjà que je suis fatiguée de base. Donc bref, niveau lecture, je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis quand même à page 100 de ma lecture et j'aime beaucoup. Je vous disais que j'étais contente du sujet et d'avoir de la fantaisie sous la main à lire, écrit par une femme en plus. Et c'est très bien. Voilà, j'aime beaucoup mon histoire. Ça se lit bien, c'est addictif et on va suivre donc cette jeune fille qu'on voit grandir. Hein. Le temps passe vite au début. Je suis toujours pas arrivée à ce que je vous ai dit dans le résumé, c'est-à-dire je sais plus, mais elle perd la mémoire, elle oublie et elle va vivre sur Terre. Moi, je suis toujours dans l'école là pour l'instant. Et puis voilà, ça se lit très bien. Je suis très contente de ma lecture, même si je ne lis pas autant que ce que je voudrais. J'avoue que je fais pâle sur la photo, la vidéo. J'avoue que j'aurais aimé le dévorer et le terminer. Dans ma tête, je m'étais dit, je termine vendredi. Mais là, on est jeudi, il me reste encore 300 pages. Et là, j'ai un mal de tête carabiné. Et à 21h, 21h20, je m'écroule. Donc, je ne lis vraiment pas autant que ce que je voudrais. Et voilà. En bref, je suis venue parce que j'avais un petit paquet dans ma boîte aux lettres. Ça ne peut que être à l'ISO, c'est les seuls que je reçois. Mais ça me fait bizarre parce que d'habitude, j'ai rempli le formulaire il n'y a vraiment pas longtemps, il y a à peine 15 jours, je crois. Et je suis surprise d'avoir déjà quelque chose. Mais bon, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. Ouais, c'est bien ça.
J'ai cherché à faire un parfum. Alors, donc là, j'ai pris des romans qui me ressemblent absolument pas. J'avais deux sélections de romans. Et celui-ci, c'est. Alors, l'autre, je sais même plus non plus. On verra quand je le recevrai. Ah, mais je le voyais pas aussi gros. C'est Pensez vite et parlez juste. Le guide de la communication spontanée de Matt Abrahams. Donc là, ça va être. Vraiment, je sors totalement de ma zone de confort. Et il m'avait convaincue parce que c'est pour parler. En gros, prendre la parole en public. Et moi, c'est des choses où je suis pas forcément à l'aise. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait peut-être me servir dans la vie de tous les jours. Après, est-ce que tout va me servir? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas du tout comment c'est fait. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà. 6 étapes pour réussir une prise de parole impromptue. Donc ça m'a l'air riche, plutôt riche, ouais. Ça m'a l'air bien fait. Je regarde juste vite fait la mise en page, hein, excusez-moi. Le lâcher prise. Ouais, moi il y a des trucs que je pense que ça va me servir. Inutile de ruminer. Faites, mais écoutez aussi. D'accord. Bon. À voir. Donc voilà, et le deuxième livre c'est pareil, c'est un truc développement personnel, la chose que je ne lis absolument jamais. Mais quand je me suis inscrite pour le partenariat avec cette maison d'édition, je savais que c'était même pas des romans, mais des ouvrages comme ça que je n'achèterais pas forcément ou qui me sortiraient totalement de ma zone de confort. Et c'est le but recherché justement de lire des sujets voilà, comme ça, comme celui-ci. D'ailleurs, je pense que ce soir, comme je ne suis pas trop concentrée, je vais peut-être lire ça vu que c'est moins. Je sais pas comment dire, mais comme je suis moins dedans, que ça me concerne beaucoup moins, je vais le terminer quand même. Et voilà, c'était mon livre de février. Je m'étais dit, j'en lirais un chaque mois. Et c'est vrai que là, celui-ci m'a pas du tout transporté, comme je vous disais précédemment. Donc voilà, je vais le terminer ce soir. Peut-être avancer un petit peu dans la case des oubliés, j'ai lu un petit peu ce matin. Et il faut absolument que je lise celui-ci. Donc celui-ci, c'était celui pour le mars que j'avais reçu de chez Alizio également. Donc voilà. Donc là, celui-ci, ça sera à feuilleter et en tirer aussi des leçons pour la vie quotidienne, pour la vie, oui, de tous les jours, même avec mes collègues avec qui je m'entends très bien, avec qui je rigole, je dis tout le temps des conneries. Mais des fois, quand il faut prendre la parole au brief. Et ben, je suis toute timide, je suis toute réservée, je ne sais pas trop comment dire. Ou il y a des choses que je ne vais pas dire parce que j'ose pas. Et que je vais voir mon chef à part et que je vais lui dire, bah, au fait, il y a ça. Puis des fois, il me dit, bah, tu aurais dû dire devant le brief. Enfin, peut-être que quelqu'un aurait réagi. Mais c'est plus par rapport au travail, donc il n'y a rien de. On va pas me juger pour ça, quoi. Mais voilà, donc à voir, je vous en reparlerai quand je le lirai. Alors, je vais vous lire le résumé. Vous avez déjà craint de bégayer pendant une réunion, de perdre vos mots lors d'un discours ou d'une rencontre impromptue. Vous rêvez de savoir vous exprimer sans paniquer. Ce livre vous montrera que vos peurs sont légitimes car il n'y a pas que les grands événements qui demandent un effort de préparation. Un tête-à-tête peut s'avérer un challenge tout aussi stressant qu'une conférence devant 500 personnes. Ben oui, on ne réagit pas tous pareil. Hein. Et la majorité de nos communications professionnelles comme personnelles exigent de savoir s'exprimer sur le vif sans trop réfléchir. En s'appuyant sur son expérience de coach et conférencier, Matt Abrahams nous propose une stratégie en 6 étapes afin d'aider les plus stressés d'entre nous à s'exprimer spontanément, apprivoiser l'anxiété, garder l'esprit ouvert et rester concentré sur l'essentiel. Voilà. Et puis aussi pour faire les vidéos, par exemple, il y a peut-être des choses que je me répète ou des tics de langage qui peuvent énerver et que moi je m'en rends même pas compte. Je sais que je dis souvent une fois j'avais relu, réécouté, et ça m'a gonflé de m'entendre dire Donc je suis désolée si cela vous énerve aussi. Mais voilà, il peut y avoir des petites techniques et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Moi j'allais me prendre une bonne douche bien chaude parce que je suis gelée. À l'entrepôt, il fait super froid. Et là, la promenade m'a gelée aussi. Comme je suis fatiguée, j'ai mal de crâne, ça va pas m'aider. Donc, je vais me poser tranquillement et prendre une grosse douche, me mettre en pyjama et me reposer tout simplement. Voilà. En tout cas, ils sont vraiment beaux ces ouvrages de chez Alizio, je trouve. C'est super chouette. Je
contente d'être partenaire avec eux. Bref, à plus tard. Hey, alors aujourd'hui vendredi soir, fin de journée. Donc je viens vite fait, vite fait, vite fait, juste pour ouvrir ma 6 pour box. Décidément, j'aurais eu 2 unboxings cette semaine. J'ai hésité à l'ouvrir la semaine prochaine, étant donné que j'aurai rien, mais en fait, je m'en fiche de l'ordre. Donc voilà, niveau lecture, j'ai pas du tout avancé. Enfin, si, hier, attention, hier, j'ai lu 18 pages, ce qui est quand même énorme. Et ce matin, j'ai lu. J'étais page 115, je suis page 128. Je limite plus le matin le pauvre quart d'heure où je bois mon thé que le reste de la soirée où je m'endors. Sachant que là, on est vendredi. Donc ce soir, je vais boire un coup au VNB avec les collègues de mon copain. Donc je ne vais pas beaucoup lire. Là, justement, j'ai fait une petite promenade à Cracotte. Comme ça caille et qu'il fait pas très beau. Voilà, petite promenade. Là, je fais la vidéo. Comme ça, je me pose après. Et voilà, j'espère bouquiner bien avancé parce que je suis vraiment bien dans l'histoire. Et j'ai également, désolée, j'ouvre en même temps hein, ça. J'ai également commencé ma lecture audio que je vous disais justement que je continuais la. Enfin, je voulais continuer la saga Inheritance Games. Et c'est ce que je fais et ça me fait trop bizarre. Pour le coup, ça me fait vraiment bizarre d'enchaîner les 2 tomes. Et c'est vrai que je vous répète souvent que j'aime pas faire ça. Et en effet, je vous confirme que j'aime pas faire ça. Parce que. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tout simplement, j'ai l'impression que le livre dure une éternité. J'ai pas l'impression que ça me fait une coupure. Surtout que là, entre la fin du tome 1 et la suite du tome 2, ça se suit vraiment, vraiment à la fin. Donc ça, c'est bien parce que j'avais pas oublié, comme souvent quand on se dit je fais une petite pause, tu te dis souvent, mais ah merde, comment ça a terminé déjà? Donc là, j'ai pas eu de soucis là, c'est sûr. Mais du coup, il y a quand même des répétitions, beaucoup de répétitions, et au final, ce jeu d'enquête. Pour l'héritage, comme je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais enfin voilà, un jeu d'héritage, trouver une clé, trouver une énigme, etc. La réponse à une énigme. Et j'ai l'impression que cette énigme dure 100 ans. Donc heureusement que c'est bien, que c'est des petits chapitres et que c'est addictif. Mais voilà, c'est vrai que bon, j'espère que là j'ai dû écouter 2 heures, parce que là j'étais en train d'écouter tout à l'heure, mais j'ai appelé ma mère et mon frère. Donc du coup j'ai coupé, j'ai écouté 2 chapitres, mais je dois être à 1h30, 2 heures d'écoute. Et j'espère que ça va changer parce que pour le coup, si on est encore sur des énigmes pendant tout le 2e tome, ça va peut-être me paraître un peu long. Et pour le coup, j'ai regretté de pas avoir fait de pause. Mais pour l'instant, j'aime bien quand même. C'est pas. Voilà, j'ai juste peur que ça continue, mais je pense que ça va changer parce que sur Livre Addict, j'ai été noté le tome 1. Parce que il y a des notes, du coup vous devez connaître. J'ai mis un 15 ou 16, je crois. Et il était noté 15. Et le tome 2 est noté 17. Donc je suppose qu'il y a quelque chose qui va se passer et que pour qu'il mérite une note encore meilleure. Je n'ai pas regardé la suite de tome 3 et 4, je verrai. Donc voilà pour mon point lecture. Ensuite, le point 6 pour box. Donc voilà comment c'est dedans. On a 2 sachets de thé. Donc là, on a l'édito. En mars, on célèbre la journée de la femme où chaque héroïne quotidienne devrait recevoir une médaille pour jongler avec les défis. Et pendant que certaines préfèrent des fleurs, d'autres optent pour un bon livre. Car quoi mieux qu'une pause? Quoi mieux qu'une pause? Lecture pour s'évader. Laissez-nous vous inspirer avec de nouvelles découvertes livrées chaque mois et n'hésitez pas à nous partager vos coups de cœur. Ok. Alors, donc les sachets de thé. Celui-là, on l'a déjà eu l'autre fois. Frosty Afternoon. Black Tea, que c'est très bon. Celui-là, je ne connais pas. Infusion. Ah, c'est à l'anis. Tout est écrit en anglais, donc bon. Ouais, je vais pas aimer, je pense. À voir. Ensuite, un petit marque-page tout simple. Ils sont quand même assez simples. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà. Ensuite, la carte artiste du mois. C'est celle-ci. Par contre, on n'a pas d'explication. Les autres fois, c'était un peu une.
Une carte postale. Pourquoi pas? Je ne sais pas trop. On a une bougie qui est cassée. Donc, elle va vachement me servir. Bah, merci. Alors, j'ai un petit bout. En plus, elle est en deux bouts. Enfin, trois, du coup. Bon, bref, voilà. J'ai un bout qui est cassé là. Là, il y a un trou. Et puis, bah, elle est cassée en deux. Bon, vous avez la poubelle. Et le livre. Avec la petite étiquette Thank you à chaque fois. Suspense. On va voir. Ça va être peut-être être décisif. Si j'arrête ou pas. Ah. Moi, l'autre fois, j'avais été très contente du choix. Je ne l'ai pas lu encore, mais il va. Je pense que je vais le lire le mois prochain. Et ça. Ça me plaît la couve. Je ne connais pas du tout ni l'autrice. Ni le livre, ni le titre. Un fauve dans Rome de Nathalie Cohen. Chez J'ai lu. Allez, franchement, je suis agréablement surprise. Ça m'a l'air d'être un thriller historique, hein. Un thriller antique, érudit et passionnant. Tous les ingrédients de la tragédie antique sont ici réunis dans un festival aux accents somme toute très modernes. De l'Express. Ce fauve dans Rome, c'est vous qui allez le dévorer, femme actuelle. Alors, quel est ce fauve qui menace Rome? Est-ce Néron, cet empereur fou dont on dit que les débauches attisent la colère des dieux? Ah oui, c'est vraiment très très historique alors. À moins que ce ne soit cet incendie qui lèche les arcades du Circus Maximus. Mais les départs de feu ne sont pas la seule source d'inquiétude pour Marcus Alexander, le tribun de la première caserne. Il y a aussi la disparition de ses enfants blonds qui réveille chez lui d'anciennes douleurs et déclenche une volonté farouche de les retrouver. Marcus va mener l'enquête au risque de se jeter en s'approchant de très près de Néron et de son frère ennemi Lucius dans la gueule du loup. Oh, ça me rappelle mes cours de latin, c'est trop, trop bien. Dans une Rome antique sous tension qui résonne avec notre époque, les intrigues se bousculent sous la plume de Nathalie Cohen, aussi moderne qu'alerte. Une Rome antique qui résonne avec notre époque. Alors ça, à voir. Bon, bah, je connaissais pas du tout. Il fait 380 pages, un peu moins de 380. Pourquoi pas? Bah, je suis curieuse, très très curieuse de connaître la suite. Enfin, de connaître la suite, de connaître cette histoire, tout simplement. Et après, l'autre... Oh! Ah non, c'est qu'en fait, il y a brochet et poche. Je croyais que c'était deux brochets à chaque fois. Parce que là, il y a la sélection des autres catégories. Et là, il y a une invitée particulière. Et c'est un thriller que j'ai vu passer, qui me tente énormément, mais c'est format brochet, donc rien à voir. Littérature générale, on avait Les Contemplés. Café Chat. Ah, en feel good. Il est pas mal passé sur Insta. Fantasy, j'arrive pas à lire. New Romance, de toi à moi, with love. Non, merci. Roman historique, Le soldat désaccordé. Ok. Bon, je suis contente. Je vais rester sur le thriller. Hein. Je suis ravie, 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 ravie. Je suis beaucoup plus ravie que mes autres catégories que j'avais prises juste avant, les mois d'avant. Mais je vais continuer pour l'instant la box. Après, je vais voir. Parce que si vraiment je ne les lis pas, les livres. Mais là, les deux. C'est sûr que je les lirai. Je ne sais pas trop comment et quand. Mais là, c'est une autrice. Donc, à voir, peut-être je serai tentée dans le mois à venir. Je ne sais pas. Je vais déjà continuer ça hein, et le terminer. On verra après avant de se mettre des plans sur la comète, hein, on va dire. Bon, bref, je vous laisse ici. J'ai fait mon petit café. Il va refroidir. Ben voilà, il a refroidi. Je vais le faire réchauffer. Et voilà, je vais me poser un petit peu avant de me changer pour sortir. Oh. Bon, bah la bougie, je vais la mettre à la poubelle hein, parce que là, ça sert à rien. Gardez ça. Bref, je vous tiens au courant. Donc, oui, et puis ce week-end, je sais plus si je l'ai dit, mais je vais après, demain midi, on va manger chez un couple d'amis à Nantes. Donc, je verrai si ce qu'on fait, selon ce qu'on fait, si on bouge en ville, je vous ferai peut-être des petites vidéos. Je ne sais pas tout ce qui est prévu. Et voilà, on va rentrer tranquillement. Dimanche en fin de journée, je pense.
Donc voilà pour le programme du week-end. Donc je vous tiens au courant de tout ça. À plus tard. Il fait aussi beau à La Roche qu'en plein centre de Nantes. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus cette pluie. Je n'en peux plus. Donnez-moi du soleil. Il y a le soleil en ce dimanche matin, c'est trop bien, c'est jour et la nuit. Donc j'en profite pour faire ma conclusion de cette vidéo dans une rue de Nantes. Bon, on voit rien maintenant. Je suis dans le centre, pas très loin du grand centre. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et donc je vais conclure parce que... Bon, aujourd'hui, je pense qu'on va profiter d'être dehors. Hier, j'ai quand même pas mal lu. Bien là. Elle rentre chez des gens, c'est normal, elle cracote. Donc hier, j'ai pas mal lu. Je suis à la moitié de mon roman en cours. Ouais, finalement, parce que hier soir, ça a été plutôt posé. On était deux couples. Et du coup, les gars ont parlé manga. Et puis, ils ont un petit garçon. Donc, la maman était partie coucher. Et puis, moi, en attendant, on bord. J'ai un peu bouquiné. Et puis. Puis voilà. Puis finalement. Et cracotte. Oh là. Et à la terre quoi la ferme. Bon, désolée, j'attendais que le bus parte. Et je voulais faire ma petite story au soleil. Et en fait. Ma story, non, ma vidéo au soleil. Et là, je suis cachée par des grands immeubles. Ah, mais je suis où là? J'ai tourné tarabiscoté. Bon, bref, et donc du coup, oui, je suis à 215 pas, je crois. Il y en a 424. Donc, ouais, je suis contente, ça se lit très bien. Il y a des petits rebondissements, bien comme il faut. Donc, voilà, j'apprécie bien ma lecture. Donc, je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog, la semaine prochaine. Et voilà, je vais vous laisser, je vais mettre mon GPS pour retourner à l'appartement. Parce que là, je crois que je suis en centre-ville Canclos. Canclos. Bon, il y a un grand rond-point avec de l'herbe déjà, cracote pour sentir les nouvelles odeurs nantaises. Bref, j'espère que vous avez passé un agréable moment de lecture, de visionnage, que pour vous tout va bien, que votre semaine s'est bien passée. Et je vous souhaite donc une bonne semaine. De bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!